Merci beaucoup. Vous connaissez la règle. Nos cinq invités, ils sont cinq à présent. On déplore la présence de Piero Fassino, l'ancien maire de Turin, qui n'a pas pu se joindre à nous. Sinon, nous sommes tous présents et vous connaissez la règle, intervention de nos différents invités que je vais vous présenter dans un instant. Puis débat entre eux et avec vous surtout. Toutes vos questions sont les bienvenues et nous avons jusqu'à 16h50 au moins. On démarre avec, bien sûr, Dominique Roux, membre du Cercle des économistes, qui a préparé cette séance. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis. Le sujet de nos rencontres, et maintenant vous le savez, la recherche de nouvelles formes de prospérité conduit évidemment, j'allais dire naturellement, à s'interroger sur le thème de notre session, comment vivrons-nous ? Cette question essentielle ne peut s'envisager sans se pencher sur la révolution numérique qui s'impose et se développe partout dans le monde, du Nord comme au Sud, comme on le verra tout à l'heure. Cette question essentielle est importante, bien entendu. Les nouvelles technologies actuelles par rapport aux technologies qui les ont précédées sont d'une nature très différente. Elles introduisent, selon le célèbre directeur du Media Lab du MIT, Nicolas Negroponte, une mutation quasi génétique. La numérisation de l'environnement économique, social et culturel démontre chaque jour cette transformation, j'allais dire, des atomes en bits. Les récents travaux de la Commission européenne mettent aussi l'accent sur la réduction progressive de la distinction séparant le monde physique du monde virtuel. On peut dire que le numérique est à la fois une technique, un outil et une forme de culture. Le numérique est une technologie qui s'appuie sur des systèmes ouverts et décentralisés, qui transforme l'espace économique. C'est aussi un outil qui modifie la société en créant une nouvelle culture qui rapproche les centres d'intérêt et les projets. Le numérique, en résumé, a un impact capital tant sur les individus, bien sûr, que sur la société dans son ensemble. En outre, la génération millénium, comme on dit, qui représente actuellement environ un tiers de la population mondiale, soit autour de 2,5 milliards d'adultes, impose de plus en plus sa conception de la vie et des relations sociales. Ces individus ont aujourd'hui entre 17 et 37 ans. Ils n'ont pas connu la vie sans message instantané ou sans accès immédiat à la toile. Ces digital natives, comme on dit, ont grandi avec l'hypertexte, la musique téléchargée, les téléphones dans la poche et les bibliothèques sur ordinateur. Ils ont, selon le sociologue américain Mark Pretzky, ils ont, on peut dire, que d'ores et déjà une pensée très différente. Leur cerveau s'est structuré différemment par rapport à leurs aînés. Cette génération est championne du terminal personnel, adepte du temps réel et du Atawadak, anytime, anywhere, any device, any content. Et selon le Financial Times, cette génération a en commun l'économie de partage, une grande liberté de parole, un sens critique, et enfin, ils sont surtout très conscients de leurs droits. Dans un tel contexte, il est clair que l'on ne vivra pas demain comme aujourd'hui, et cela partout dans le monde. On constate que dans les pays émergents, les nouvelles technologies sont des facteurs de croissance, des vecteurs d'intégration et de progrès, des moyens de lutte contre la pauvreté. L'Afrique est par exemple un laboratoire d'innovation et de ce qu'on appelle les leapfrogs, et ils sont très nombreux, comme le mobile banking, les plateformes collaboratives, le e-commerce, le e-government, etc. Par ailleurs, en janvier, vous l'avez peut-être vu dans la presse, le dernier Consumer Electronics Show de Las Vegas a mis en évidence six grandes nouveautés qui vont fortement se développer dans les prochaines années. Les voitures connectées, on va en parler. Les smart cities, on va en parler. Les services financiers et de paiement, la santé connectée, le commerce de détail et l'économie collaborative. Avec le panel d'experts qui compose notre session, nous allons pouvoir approfondir un certain nombre
des faits induits par ces nouveautés technologiques à l'origine de la transformation majeure de nos sociétés. L'évolution des transports, l'aménagement des villes, les nouvelles formes d'habitat et bien sûr les profonds changements attendus en Afrique. D'autres innovations très importantes qui vont aussi avoir une influence majeure sur nos modes de vie, comme par exemple l'e-santé ou la modification des conditions de travail, ne sont pas oubliées. Elles ne sont pas oubliées dans nos rencontres. Elles seront abordées, évidemment, dans d'autres sessions qui sont, comme vous le savez, très nombreuses. Cependant, il faut s'atteler le plus vite possible à ces chantiers, car dans ce domaine, compte tenu de la rapidité de la diffusion des innovations, on peut dire que demain, c'est déjà aujourd'hui. Mais l'avenir s'annonce passionnant, car, comme disait Teilhard de Chardin, que vous avez peut-être lu, le monde n'est intéressant qu'en avant. Alors, après ce petit thème d'introduction, je passe tout de suite la parole à notre animatrice, coordinatrice, journaliste, qui est Dominique Rousset, qui est la productrice de l'émission L'économie en question sur France Culture, qui va donc présenter les membres de notre panel et surtout coordonner un peu tous nos débats de l'après-midi. Dominique, à toi. Merci, Dominique. Rapidement, en effet, pour vous présenter nos invités, tous d'entreprises importantes, comme on va le voir, avec beaucoup d'illustrations différentes, ainsi que ça vient d'être dit. D'abord, le président Jacques Hazenbrock, le président de Valeo, Madame Ariane de Battisti, qui est membre du comité exécutif d'ICAD, Alain Taravella, je le présente un peu dans le désordre, à droite ici, de Cheikh Kanté, Alain Taravella, président fondateur d'Altarea Cogedim. Philippe Monloubou est président du directoire d'Enedis. Et on terminera, comme l'a dit Dominique Roux, par une ouverture sur l'Afrique grâce à Cheikh Kanté, qui est le directeur général du port de Dakar. Dakar où se tiennent à présent des rencontres économiques également, Cheikh Kanté. On aura le temps d'en dire un mot, je pense. Et ensuite, on interviendra notre discussion entre vous tous et surtout avec la salle, toutes vos questions, toutes celles que vous souhaiterez poser. On commence avec vous, monsieur Hazenbrock. Bonjour. La première question que j'ai envie de poser, c'est de savoir si on vivra mobile ou immobile. Alors, il y a eu des expériences dans l'histoire où on a vécu relativement immobile. Il y a eu l'Empire romain, la suite de l'Empire romain. Il y a eu les pays de l'Est, où on a vu que l'immobilité a conduit à des désastres économiques. Et puis, il y a eu la Chine. On se souvient tous du navigateur Zhang He. Quand il est mort, l'empereur chinois a décidé que les expéditions maritimes étaient finies. Il y a eu un lent déclin de la Chine. Donc je crois qu'il y a un lien très direct entre le développement économique et la mobilité. Il n'y a pas de mobilité sans développement économique, il n'y a pas de développement économique sans mobilité. Alors quand on parle de mobilité, on parle souvent de mobilité physique. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir une immobilité physique, mais une mobilité virtuelle ? C'est-à-dire qu'on ne se promènerait plus physiquement, on se promènerait virtuellement, on échangerait virtuellement à la fois des biens qui ne pourraient être transmis, bien entendu, que virtuellement. Ce n'est pas un scénario que je trouve crédible. Et je me suis toujours interrogé sur cette opposition qu'il peut y avoir entre mobilité virtuelle et mobilité physique. Et finalement, Amazon m'a donné raison il y a quelques semaines quand ils ont décidé de leur organisation totalement virtuelle. Alors seulement, cela étant, ils transmettent des biens physiques en l'organisant de façon virtuelle. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils ont considéré qu'il fallait qu'ils achètent un réseau de distribution physique dans la nourriture avec Whole Food Market. Donc je ne crois pas qu'il puisse y avoir un monde dans lequel on se satisferait d'une mobilité purement virtuelle. Il y aura forcément une mobilité physique. Et j'ai aussi la conviction que cette mobilité physique continuera d'augmenter et que le virtuel ne fait qu'aider, d'une façon ou d'une autre, prolonger, accentuer, organiser, optimiser la mobilité physique. Et si on venait à restreindre la mobilité physique, on entraînerait une décroissance économique. Et quand on regarde les villes au niveau mondial, il y a une ville qui est Singapour,
qui a une réflexion extraordinaire en termes d'organisation future de sa ville sur le thème « La mobilité physique est un préalable indispensable au développement économique ». Et dans cette réflexion, il n'oppose pas ce qui est les transports de masse et les transports individuels. Il n'oppose pas ce qui est voiture avec ce qui est bus et ce qui est métro. Ils essayent de trouver l'optimum qu'il peut y avoir entre ces différents modes de transport. On a d'autres exemples. En France, par exemple, si je m'attardais quelques secondes sur la région parisienne, est-ce que vous savez que non seulement on ne promeut plus les parkings, mais qu'il est interdit ou extrêmement limité d'avoir des parkings quand on construit de nouveaux logements ou de nouveaux centres de bureaux, comme si on voulait éradiquer une des mobilités, la mobilité très flexible qu'est la voiture, au profit de transports de masse, alors que les deux viennent se compléter. Alors, l'automobile, comme l'a dit Dominique, est en train de vivre des révolutions. Il y a une révolution de l'électrique. L'ensemble de l'industrie s'est lancée sur le véhicule électrique de façon extrêmement massive depuis quelque temps. Il y a, bien entendu, le véhicule connecté. Mais au-delà du véhicule connecté, il y a le véhicule autonome. Donc, le véhicule sera de plus en plus autonome. Ce sera des étapes successives. Il y a déjà des véhicules autonomes qui circulent dans les rues, des navettes qui sont à la fois électriques et autonomes. Et puis, il y a des véhicules qui seront partagés. Donc, on va vers un véhicule qui sera de plus en plus électrique, de plus en plus autonome et de plus en plus partagé. Alors, ça a une conséquence considérable sur un métier comme le nôtre. Et on essaie de le modéliser à 5, 10, 15 ans. Ce sont des phénomènes sociologiques extraordinairement lents. Mais on ne voit pas d'évolution majeure sur la façon dont le transport évoluera dans les années qui viennent entre le transport de masse et le transport lié à des véhicules. Et l'un des endroits qui est assez frappant, c'est la Silicon Valley, où Uber dit de façon très claire qu'avant qu'il s'installe, le chiffre d'affaires généré par les taxis était $150 millions. 10 ans après, le chiffre d'affaires généré par leur propre véhicule, c'est $500 millions. Il n'y a pas de baisse notable du nombre de voitures vendues dans cette zone, même si ce n'est pas très facile à observer. Donc, la voiture comme un service, qui est un complément à la voiture utilisée de façon individuelle, a rendu solvable une demande qui ne l'était pas, et en fait a fait augmenter la demande de mobilité extraordinairement flexible, qui est celui du véhicule individuel, qu'il soit utilisé par usage propre ou qu'il soit utilisé comme un service qu'on loue ou un service qu'on partage. Donc ce sont des phénomènes très complexes. Je pense qu'on aura une mobilité physique qui sera le complément d'une mobilité virtuelle et qu'il faut tout faire pour organiser cette mobilité physique et promouvoir l'ensemble des modes de transport qui permettent de l'augmenter et donc d'accroître le développement économique. Merci. Un mot de Dominique Roux, bien sûr. J'aimerais bien que nos intervenants, pour ceux qui ne les connaissent pas bien, disent ce qu'ils représentent. Valeo, c'est combien de salariés ? Alors, c'était 45 000 salariés fin 2009 et c'est 102 800 à la fin du mois dernier. Et c'est de l'industrie. Voilà. Et équipementier automobile, bien sûr, c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Premier exemple avec donc ce que vous soulignez très, très clairement, hein, Jacques Assainbrock, on n'est pas là pour interdire la voiture, mais plutôt pour accompagner son utilité. Et on reviendra un peu sur les moyens de le faire. Et l'exemple que vous donnez, effectivement, de la Californie, est un petit peu... un peu préoccupant, on pourra en reparler. Autre exemple, et cette fois on va vers l'immobilier, vers le logement, avec vous Marianne de Battisti, membre, je l'ai dit, du comité exécutif d'ICAD. Ce qui se passe dans votre domaine, et on est toujours vers le futur. Bonjour à tous. Alors à la question comment vivrons-nous, la réponse est en ville. Ça c'est une certitude.
une certitude parce que les villes existent depuis 8000 ans et qu'elles explosent complètement depuis 2005. Depuis 2005, il y a plus de gens qui habitent en ville que de gens qui habitent dans les campagnes, et cela dans le monde entier, avec évidemment une croissance urbaine bien plus importante encore dans les villes émergentes que dans les villes des pays développés comme les nôtres. Dans 50 ans, 3 personnes sur 4 vivront en ville. Donc ça veut dire que le sujet des villes est un sujet absolument central. Deuxième constat, les villes polluent et elles souffrent beaucoup de la pollution. Elles occupent 2% de la planète et elles produisent 70% des gaz à effet de serre. On voit bien aujourd'hui qu'on est sur un sujet absolument central. Elles vivent d'embouteillages, elles vivent de canicules, d'inondations, de pannes géantes comme la panne d'électricité à New York en 2012. Et de nombreuses villes sont menacées par l'élévation du niveau de la mer. Troisième constat, elles ont des gouvernances très différentes, de gouvernances très organisées dans les pays du Nord, gouvernance beaucoup moins organisée dans les villes du Sud, les villes émergentes, avec beaucoup de débrouillardises et d'initiatives des populations dans les villes émergentes et un besoin de prise de parole des habitants dans les villes du Nord. Comme si ce qui manque aux unes est désiré par les autres. En résumé, la ville, c'est un phénomène de concentration, c'est ce qui en fait l'attrait, mais elle est aujourd'hui menacée par l'excès de cette concentration, y compris quand celle-ci prend la forme de l'étalement urbain, concentration des populations, des constructions, des activités, conflit entre ce que ces activités engendrent, avec un double besoin pressant, celui d'une organisation à laquelle les habitants eux-mêmes aspirent pour réguler et organiser le développement urbain, et puis aussi un besoin d'expression qui aujourd'hui est probablement plus fort qu'hier. Alors, des questions qui m'étaient posées, c'est est-ce que la Smart City dont on parle beaucoup aujourd'hui est une réponse à ces nouveaux besoins? Est-ce que c'est une réponse aux maux dont souffre la ville et aux besoins des habitants? Et puis, est-ce que les nouvelles technologies ont un impact sur cette ville du futur? La Smart City, vous savez, on la définit comme l'optimisation de l'organisation urbaine, de son coût et du bien-être de ses habitants. C'est une préoccupation des pays développés, qui peut aussi aider les villes émergentes à mieux gérer leur croissance, mais qui nécessite une stratégie urbaine. Juste pour dire d'où je parle, puisque la question a été posée tout à l'heure, ICAD, c'est une foncière, donc une société qui investit dans l'immobilier, qui détient un portefeuille d'actifs de l'ordre de 10 milliards d'euros, un portefeuille tertiaire et des murs de cliniques. Et puis c'est aussi un promoteur, essentiellement de logements. Donc c'est une société qui est sur les métiers de la ville et qui intervient plutôt sur des grands périmètres, puisque c'est une foncière qui a beaucoup de fonciers, contrairement à d'autres qui ont beaucoup d'immobilier. Elle a à la fois de l'immobilier, mais elle a beaucoup de fonciers. Donc elle est confrontée à ces problématiques de développement urbain et d'équilibre de développement des zones un peu nouvelles, puisque ICAD a dans son portefeuille à peu près 150 hectares de parcs d'activités qui petit à petit sont transformés en parcs tertiaires, donc qui petit à petit s'urbanisent. ICAD, c'est aussi une filiale de la Caisse des dépôts, même si c'est une société qui est cotée. Elle a cette filiation forte avec un actionnaire de référence qui est très engagé dans le développement des villes et qui est engagé de manière long-termiste, ce qui donne à notre action une tonalité un peu particulière. Alors, comment vivons-nous cette révolution en marche aujourd'hui? Je voudrais vous donner un certain nombre de questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Dans notre métier d'investisseur de bureau, quel bureau construira-t-on demain avec la disparition progressive d'une frontière très tranchée entre la vie professionnelle et la vie personnelle, avec l'explosion du coworking, du freelance, du slashing, c'est-à-dire les gens qui mènent plusieurs vies professionnelles à la fois? Quelle ville, quel logement, quel service penser pour les personnes âgées, sachant qu'une personne sur quatre aura plus de 60 ans dans 20 ans, alors qu'aujourd'hui c'est une sur 10? Quel réseau de transport construire quand les premiers véhicules connectés sont annoncés en test dans 3 ans? Est-ce qu'il y aura des véhicules individuels? Est-ce qu'on sera seulement sur des bus, des taxis, des livraisons? Comment gérer la multiplication des drones serviciels dont on parle de plus en plus pour faire l'ambulance, la livraison et la surveillance des villes? Comment adapter les centres commerciaux au commerce figital, physique et digital? Mais je pense qu'Alain vous en parlera bien plus savamment que moi. Est-ce qu'il faut encore construire des facultés, des écoles, si demain le développement du digital donne la priorité au e-learning? Combien de lits prévoir dans une clinique
à l'heure de la santé ambulatoire et connectée à l'heure du patient augmenté. Sans parler de sujets plus classiques comme la qualité environnementale, la durabilité des constructions et la gestion des déchets. En résumé, la ville devient un écosystème très complexe d'individus, de tribus, de flux, un écosystème hautement numérisé. La Smart City, c'est un mélange de technologie et d'animation attendue par les habitants, supposée apporter un meilleur confort à tout le monde. Alors, cette Smart City, est-ce qu'elle existe? Vous avez donné deux exemples. Un exemple à Lyon, le quartier des Confluences, dont vous avez certainement entendu parler beaucoup, qui est un 150 hectares, qui ont pour ambition de doubler le centre-ville de Lyon, mais d'une manière beaucoup plus durable, écologique, concertée avec les habitants. Un espace conçu avec des sociologues, des experts, la Ligue de protection des oiseaux, le label WWF, des mobilités douces, une ville entre guillemets marchable. Résultat, un quartier qui valorise la mixité sociale, le vivre ensemble, un équilibre entre logements sociaux et logements privés, des services mutualisés, des jardins partagés, une performance environnementale et des services connectés avec des pilotages d'énergie, une conciergerie numérique, des navigations intérieures, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que ça marche bien, parce que c'est un quartier qui a très bien commercialement démarré et qui se vend et se pratique de manière assez exemplaire. Deuxième exemple, un exemple, Confluence n'appartient évidemment pas à ICAD, mais on y a fait un programme qui s'appelle Influence Square et qui traduit un peu toute cette nouvelle manière de faire la ville. Deuxième exemple, plus icadien, si j'ose dire. Je vous l'ai dit, nous avons des parcs tertiaires que petit à petit on urbanise et dans lesquels on a été pendant longtemps dans une relation assez simple de propriétaire, bailleur, avec les entreprises locataires, centrées essentiellement sur les baux, leur renouvellement et la gestion de notre relation contractuelle avec des entreprises locataires. Aujourd'hui, on se rend compte que pour parvenir à garder nos entreprises locataires, il faut que nous travaillions beaucoup plus proche des salariés de nos entreprises et on a mis en place des communautés qui s'adressent aux salariés directement pour que les gens se connaissent au terme d'une plateforme digitale avec des activités. Nous voilà devenus des animateurs de communautés, y compris dans nos parcs tertiaires. Voilà quelques exemples du changement de paradigme dans lequel nous nous trouvons investisseurs et promoteurs aujourd'hui chez ICAN. Merci beaucoup Marianne de Battisti. Deux exemples, effectivement, une illustration d'une ville tout à fait parlant. Une ville, donc une expérience qui pourrait être reproduite, et puis cette plateforme, car effectivement la relation aux salariés, très bousculée eux aussi, et puis parfois très porteur aussi quand ils sont plus jeunes, peut changer beaucoup la vie de l'entreprise. On passe à une troisième illustration grâce à Alain Taravella, fondateur, je l'ai dit, d'Altarea. Alors vous avez depuis longtemps déjà expérimenté tout ce qui peut être fait, puis vous continuez à vous interroger sur ce qui se prépare. Je ne suis pas certaine que ce concept de smart cities, comme on dit, ou de ville intelligente vous convienne tout à fait. Et même, j'ai livré une confidence, vous avez parlé plutôt de ville stupide tout à l'heure. Pourquoi ? Bien sûr, nous vivrons en ville demain, mais dans quelle ville ? On ne vivra pas dans la même ville en France, où il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, où les objectifs sont plus d'une ville heureuse, ou en Chine, où il y a des besoins à répondre, à satisfaire immédiatement pour absorber un exode rural extrêmement important. Ce que je voulais dire, moi, j'ai créé Altarea il y a 25 ans, je suis un entrepreneur de la ville. J'ai toujours réfléchi à notre métier comme étant un métier où, bien sûr, on construit des logements, bien sûr, on construit des centres commerciaux, des bureaux, mais je pense que notre vocation, c'est de construire des morceaux de ville. Nous faisons par exemple 10 000 logements par an. Nous devons représenter grosso modo 1 à 2% de ce qui se construit en France aujourd'hui. La vision que je vais donner est une vision française, européenne, qui n'est pas la même ailleurs, qui ne prend pas en compte un certain nombre de grands éléments qui ne sont pas pris en compte par l'urbanisme français, que sont les migrations. Donc on est en France dans... quand on répond à la question « Vivons en ville en France ?», on répond de façon assez égoïste.
On a des sujets, on a une métropolisation, on n'a pas une mégalopolisation comme il peut y avoir dans les pays asiatiques, ce ne sont pas les mêmes sujets. Donc je dirais qu'aujourd'hui, comment vivrons-nous demain ? On vivra demain de la façon dont on construit la ville aujourd'hui. Il faut bien se rendre compte d'une chose, ce qui se construit en France, le flux de construction en France par rapport au stock, c'est 1 à 2%. Donc, dans 50 à 100 ans, nos enfants vivront majoritairement dans les enveloppes physiques qui existent aujourd'hui ou que nous construisons aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas dans des révolutions majeures comme dans d'autres continents. Et nos enfants, nos petits-enfants, vivront en majorité dans les mêmes logements, dans les mêmes enveloppes physiques que celles où nous vivons aujourd'hui. Il y aura bien sûr plusieurs vies. Il y aura des logements intergénérationnels, il y aura des logements seniors, il y aura des logements familiaux, mais fondamentalement, comment vivrons-nous ? Nous vivrons dans la sphère privée de façon relativement similaire à ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il n'y a pas de système de smart city ou de digitalisation qui permettent de dormir dans le cloud. Il faudra dormir dans un lit. Et donc, le lit est dans une chambre et la chambre est dans un appartement où on retrouve ses enfants, ses parents, etc. Donc, la question de l'appartement, de l'enveloppe, ne va pas changer. Par contre, ce n'est pas comment vivrons-nous, mais comment voulons-nous vivre ? Quand on pose la question, alors je le dis bien toujours, à des Français, il y a une étude Harris qui vient de paraître, trois indicateurs majeurs. Premier indicateur, qualité du cadre de vie, les espaces verts, l'absence de pollution, c'est ce qui est voulu par les personnes. Deuxième indicateur fondamental, la proximité. On veut être près des commerces, des écoles, des équipements publics, des transports. Troisième indicateur, la sécurité. Ce qui est demandé par nos concitoyens, et je dirais probablement par les Européens, c'est plus la slow city que la smart city. La smart city n'est pas réclamée, c'est un outil au service de la slow city. Aussi, je pense qu'aujourd'hui, la plus grande des innovations, c'est l'urbanisme. C'est l'urbanisme qui permet aujourd'hui de créer des quartiers de ville où nous vivrons demain, et non pas simplement des villes denses. Quand on voit ce qui se passe en Asie, où, pour répondre à des besoins certes fondamentaux et urgents, les villes qui se construisent, où la qualité de vie ne va pas être tout à fait formidable, notre enjeu en France, c'est de concevoir des villes qui certes soient denses, mais qui permettent une vie qui soit agréable. Je vous prends un exemple. On est en train de travailler sur la construction d'un quartier dans le centre d'Issy-les-Moulineaux, au centre-ville d'Issy-les-Moulineaux. Quand on prend le plan, on a commencé par installer un parc. On a commencé par dire on va faire des logements, des bureaux, des commerces, un cinéma, une résidence intergénérationnelle, une école. Dans les bureaux, on va faire du coworking. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça physiquement, on a dit on va installer le smart grid, on va partager l'énergie, bien sûr, entre les bureaux, les logements, le commerce, en fonction des heures. On va faire une conciergerie physique, mais on va faire une conciergerie numérique. Je dis qu'aujourd'hui, le sujet auquel nous devons répondre, nous, et notre responsabilité, c'est de créer la ville de demain, c'est de faire en sorte que la vie puisse s'exercer avec un certain nombre de fondamentaux. Voilà ce que je voulais dire. Comment vivrons-nous demain ? C'est à nous de le construire aujourd'hui et en essayant, autour des métropoles qui se constituent, c'est-à-dire de ne pas réfléchir comme une seule métropole, mais je prendrai un exemple de dire la métropole-centre, la ville-centre, avec un certain nombre de villes, de morceaux de villes qui sont en archipel autour des métropoles, liaisonnées, et c'est ça qui est voulu aujourd'hui, je pense, par nos concitoyens. Merci beaucoup, Alain Taravella. Merci, à votre tour.
On est frappé de voir, effectivement, on pouvait s'attendre à ce que vous mettiez en avant toutes les technologies hein, que vous étudiez d'assez près. Et en fait, c'est l'humain que vous mettez en premier, et c'est son cadre de vie et la ville dans laquelle il veut vivre. C'est très important. Est au service de l'humain. C'est et pas l'inverse. Bien sûr que ça peut permettre d'accélérer les choses, mais aujourd'hui, quand on rencontre des aménageurs, les sujets technologiques viennent parfois un tout petit peu en avant. Ce qu'il faut commencer par concevoir, c'est l'architecture d'ensemble, comment l'humain se retrouve dans la ville. Finalement, ce n'est pas comment vivrons-nous, c'est comment voulons-nous vivre que vous avez mis en avant. Merci beaucoup. On va en rediscuter, évidemment, tous ensemble. Après, encore un exemple avec vous, Philippe Monloubou. Là, on part un peu plus vers les énergies de demain. Vous êtes le président de directoire, je l'ai dit, d'Enedis. On va peut-être nous présenter, vous aussi, votre société en quelques... D'abord, bonjour à toutes et à tous. Enedis, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire un an presque, jour pour jour, s'appelait encore ERDF, et donc c'est la société, une entreprise qui distribue l'électricité à l'échelle nationale à travers tous les réseaux de distribution. Donc aujourd'hui, elle s'appelle Enedis, ce sont 38 000 salariés, 1 300 000 km de réseau d'électricité, évidemment à opérer, maintenir, entretenir, développer, pour apporter à la fois la résilience attendue et puis en même temps de répondre à des exigences de raccordement, 400 000 raccordements par an, et surtout, aujourd'hui, 350 000 producteurs d'électricité raccordés au réseau de distribution. Alors, ça peut surprendre, il y a quelques années, on était encore peut-être seulement à quelques petites centaines et encore, et donc aujourd'hui, ce sont trois. Alors évidemment, dans ces 350 000, il y en a des tout petits, c'est clair, c'est vous peut-être avec vos panneaux photovoltaïques sur votre maison, mais ce sont aussi des fermes solaires, des fermes éoliennes, etc. Et j'avais envie de, quand la question m'a été posée, vous avez peut-être, je vais essayer de développer dans les quelques minutes qui sont devant moi, le lien qu'il peut y avoir avec les réseaux, sur cette construction du futur, j'avais envie de répondre à ce qui aujourd'hui apparaît parfois comme des paradoxes insolubles, qui est celui à la fois du développement et de la capacité du lien social. Et moi, je reste persuadé que, en particulier grâce aux transformations que nous vons vivre, je pense que la vie sera une vie beaucoup plus en communauté, ce qui est plutôt rassurant quand on ne parle quotidiennement que d'un individualisme forcené qui se renforce, et que je pense qu'à travers les évolutions que nous vivons, la possibilité de se développer, elle sera en ville fatalement, parce que les mouvements et les volumes sont tels, mais je pense qu'elle sera beaucoup plus largement qu'en ville, et ça c'est plutôt rassurant, et j'ai quelques exemples que je pourrais vous donner qui peuvent l'illustrer, en particulier grâce au smart grid, c'est-à-dire à ces réseaux intelligents que nous développons. Alors, je voulais commencer ça en citant Al Gore, vous savez, qui est venu à la COP21, c'était il n'y a pas si longtemps, qui a été un remarquable succès français, il faut bien le dire, et à qui on posait la question dans la salle en disant, et selon vous, la COP22, ça sera quoi? Alors il dit, la COP22, ça sera la suite de la COP21, jusque-là, personne n'a été très surpris par ses propos. Mais par contre, il a dit quelque chose qui est tout à fait, je dirais, pertinent aujourd'hui, et il a dit, il n'y aura par contre qu'une seule COP21, parce que seule la COP21 a contribué à transférer à la société civile la responsabilité de la transition énergétique. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce mouvement, en tout cas tel que nous pouvons le constater, nous, à partir de notre métier, est irréversible. La société civile s'est aujourd'hui appropriée totalement les considérations de transformation, transition écologique et solidaire. C'est l'appellation aujourd'hui qui est donnée dans le cadre politique, mais on le voit bien. Et cet événement est fondamental. Si on le rapproche d'un deuxième paramètre, qui est un paramètre, cette fois-ci, ça a été dit dans le préambule par Dominique Roux, autour du numérique et de la transformation digitale, l'événement majeur, quand on le regarde uniquement deux siècles en arrière, c'est celui de la diminution sans précédent, historique, des coûts de transaction. Quand on a la nostalgie, parfois, d'une époque où les coûts de transaction étaient très faibles et permettaient de vivre à l'échelle d'une petite collectivité entre artisans, ceci a explosé au regard de l'industrialisation, de la commercialisation, de la distribution, etc., pour se transformer dans de plus en plus d'intégration à des mailles de plus en plus larges, au point d'atteindre les limites de la gestion de la complexité. Et aujourd'hui, grâce au numérique et au digital, ces coûts de transaction, ces volumes de transaction, cette qualité même transaction, même si elle pose quelques questions de temps en temps, est aujourd'hui accessible jusqu'en les plus profonds territoires et permet de retrouver cette capacité à recréer de la communauté, en particulier autour, évidemment, de ce qui est mon métier,
autour de l'énergie. Et le troisième point, le troisième facteur déterminant, c'est l'aboutissement, la maturité des énergies renouvelables en tant que compétitivité, cette fois-ci industrielle, et le développement, ça a été dit tout à l'heure par M. le Président de Valeo, avec le développement du véhicule électrique. Ces trois facteurs conjugués vont donner un irréversible, je dirais, aspiration à ce que les territoires, les communautés s'emparent véritablement de cette problématique de l'évolution, encore une fois, environnementale de la transition énergétique, en revendiquant une aspiration légitime à gérer avec ses propres moyens des équilibres énergétiques nouveaux à l'échelle d'un territoire donné, de manière aléatoire au regard des énergies renouvelables. Et donc il nous appartient, en tant que réseau de distribution, de créer les conditions pour que cet équilibre production-consommation que nous garantissons à tout moment en termes de qualité, attendu d'ailleurs par l'ensemble de nos concitoyens, puisse s'exercer, mais non plus de manière linéaire comme l'histoire industrielle et qui encore aujourd'hui existe évidemment dans tous les pays du monde, par une production centralisée se déversant à travers des réseaux de distribution et permettant avec des moyens de prévision portés à l'excellence en France en particulier, d'appréhender véritablement un modèle sécurisant et sécurisé. La transformation en profondeur que nous vivons aujourd'hui et que nous allons vivre de manière, j'allais dire, exponentielle avec la loi de transition énergétique prévoit en France 7 millions de points de charge de véhicules électriques, c'est-à-dire 7 millions d'injecteurs potentiels d'énergie, de soutireurs potentiels d'énergie, de stockeurs potentiels d'énergie à la maille de la rue, à la maille du quartier, à des mailles tout à fait aléatoires, des producteurs d'énergie sur le toit d'une maison, sur le toit d'un immeuble, sur le toit d'un centre commercial. Eh bien, ces différents facteurs, il nous appartient de les gérer dorénavant, non plus de manière linéaire et dans le temps long, mais dans le temps réel et évidemment de manière systémique. Et c'est ce qui me fait dire que cette échelle de la communauté, d'ailleurs appréhendée aujourd'hui par beaucoup d'économistes, Dominique le dira peut-être mieux que moi, appréhendée y compris par la communauté européenne, qui recrée d'ailleurs les local energy communities, qui va tout à fait dans ce sens-là, et d'ailleurs peut-être que tout à l'heure Monsieur Canté le dira aussi, à l'échelle d'un port, on retrouve d'ailleurs ces mêmes phénomènes. Donc voilà pour moi un premier élément de dessin, de design de ce que sera ce futur, en étant capable de confier aujourd'hui la responsabilité de cette évolution. Et dernier point, parce que le temps passe, merci, c'est de la même manière ces outils de développement. Parce que les réseaux électriques, en devenant plus intelligents, en étant capables d'intégrer toutes ces différentes fonctionnalités, peuvent apporter véritablement des réponses au développement, des réponses justement à la désintégration, si possible, des grandes communautés urbaines. Juste un exemple, et puis je terminerai là-dessus. J'étais en Indonésie avec le président de la République il y a quelques semaines, le précédent président de la République, pardon, il y a quelques semaines, et nous sommes retrouvés au ministère de la Pêche. Je vous avouerai que c'était un peu ma surprise, parce que le lien entre le ministère de la Pêche et les réseaux d'électricité n'était pas spontané. Et quelle a été ma surprise quand j'ai entendu la ministre, puisque c'est une ministre, dont la première préoccupation a été l'alimentation électrique des îles d'Indonésie. Il y a 17 000 îles en Indonésie. Son souci était de sécuriser, de garantir une alimentation électrique de qualité, si possible accessible financièrement. Seuls des réseaux électriques, demain intelligents, intégrant des énergies naturelles, renouvelables, permettant éventuellement un mix avec des vieux groupes diesel dont l'approvisionnement est aléatoire et qui coûte particulièrement cher, et qui vont permettre quoi ? Qui vont permettre de sécuriser un objet absolument essentiel en Indonésie, qui est la chaîne du froid, qui vont permettre de sécuriser une industrie de transformation à l'échelle de petites îles, qui vont permettre de garantir une communauté commerciale, donc une véritable identité de vie autour d'une activité productrice de valeur, qui vont permettre surtout d'éviter de grossir les rangs de 32 millions d'habitants à Jakarta. Ceci est transposable directement à l'Afrique. Je laisserai M. Canté l'évoquer à sa manière. Et là-dessus, je peux vous assurer que cet espace, il est à la portée du monde aujourd'hui. Il est gigantesque. Et accessoirement, je dirais que la France a quelques atouts en la matière et devrait savoir faire. Voilà. Merci à vous. Merci, Philippe Monloubou. Merci. L'extension des réseaux, effectivement, comme facteur de réduction des inégalités, hein, comme facteur de développement. La transition est toute trouvée avec Cheikh Kanté, puisqu'on est resté sur des exemples très français et européens, même si Philippe Monloubou se dit prêt, bien sûr, à coopérer dans bien d'autres pays, à faire connaître notre savoir-faire français. Cheikh Kanté, donc, je l'ai dit, directeur du port de Dakar, peut-être une remarque plus générale sur tout ce que vous avez entendu, dont je retiens quand même, et ça a encore été dit par Philippe Monloubou,
qu'on s'appuie d'abord sur le lien social. Hein, lorsque l'on parle de la ville du futur, la technologie viendrait en support justement de cette préservation du lien social. Ça peut être un point de départ pour vous aussi. Absolument. À cette question, je vais essayer de répondre simplement. J'espère que nous vivrons mieux qu'aujourd'hui. Je le pense avec beaucoup d'espérance. Mais cependant, il faut noter que dans un environnement turbulent, un monde évolutif, il est souvent difficile de faire des prévisions. Et pourtant, conceptualiser, comme le font mes collègues dans les grosses entreprises, dans la logique d'innovation, imaginer sont autant de réflexions nécessaires pour penser à un monde meilleur. Eh bien, pour réussir cet objectif, il faut se lancer dans un exercice qui s'appelle la prospective, c'est-à-dire étudier les futurs possibles. La prospective, j'en parle parce que c'est une discipline intellectuelle un peu chère aux Sénégalais, parce que son concepteur est né à Dakar, un métis, Gaston Berger, qui a fait toutes ses études ici, à Aix-en-Provence. En effet. Voilà, y compris sa thèse. C'est un philosophe de talent, mondialement reconnu, un éveilleur des consciences, qualité dont nous avons besoin dans ce monde turbulent. Et c'est la raison pour laquelle, comme le disait l'ancien commissaire au plan français, Pierre Massé, il faut faire de l'indiscipline prospective. C'est-à-dire qu'il faut avoir, il faut être indiscipliné pour avoir la qualité, la capacité de remettre en cause certains acquis et certaines actions qui ne peuvent pas être indéfiniment prolongées. Parlant de l'Afrique, l'Afrique de demain doit se préparer aujourd'hui. Comme le disait le fameux poète Baïten Bash, qui vit présentement à Gorée. Et à titre d'illustration, pour compléter vos propos, je vais prendre les chiffres de la démographie. Vous savez que d'ici 2050, un quart de la population mondiale va vivre dans un pays africain. Plus de la moitié dans des villes. C'est-à-dire, d'ici 2050, la population africaine va passer du simple au double, avec un âge médian de 18 contre 40 en Europe. Ces populations vont vivre dans des villes qui n'existent pas encore, qu'il va falloir imaginer, planifier, avec tous les inconvénients que vous avez à décrire tout à l'heure. Nous ne pouvons plus continuer à copier le modèle occidental. Il nous faudra créer des nouvelles réalités adaptées à notre environnement africain, en créant de nouveaux entrepreneurs, par exemple, avec un ADN numérique qu'on appelle déjà les afropreneurs. Le premier défi que nous avons aujourd'hui, c'est de former cette jeunesse. Il nous faudra trouver, d'ici les 20 prochaines années, plus de 500 millions d'emplois. 500 millions d'emplois. Et là, il faut une mobilisation de toutes les parties, de toutes les parties prenantes. Déjà, il y a un travail extraordinaire qui a été fait à travers ce qu'on appelle le LeapFrog, à saute-mouton, pour la réduction des distances technologiques. Dans le domaine de la téléphonie, par exemple, la banking money, nous avons plus de 12% des Africains qui ont de l'argent dans leur téléphone, contre une moyenne de 2% il y a quelques années. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut encore aller vite pour gérer ces flux migratoires de populations qui doivent être stables, statiques chez eux, en essayant de trouver un bonheur intérieur brut à travers les ressorts de la prospérité. Aujourd'hui, je suis assez confiant parce que l'Afrique partage quand même sa devise avec la ville de Paris, Flukianek, Mekbuture. Parce que malgré la mutation profonde qui s'exerce, je suis assez conscient que le naufrage n'aura pas lieu parce que les ressorts de la croissance sont là. Les taux de croissance les plus élevés, on les trouve en Afrique. Actuellement, nous sommes l'ensemble des taux de croissance agrégés à 4,2% du PIB mondial,
contre les 4% de la Chine, 21% de l'Europe. D'ici 2050, les économistes ont prévu que les taux de croissance les plus élevés seront en Afrique, avec un coefficient de 7,5 contre 5,5 en Europe et le reste du monde 2,2. Oui. Donc, en reprenant René Char, je sais que l'homme est capable de réaliser ce qu'il est incapable d'imaginer. Donc, avec nous tous, avec les combinaisons que j'ai entendues ici, j'ai bon espoir que nous allons pouvoir trouver la meilleure solution pour vivre mieux dans les prochaines années. Merci, Cheikh Kanté. Ce qu'on peut dire, pour revenir sur ce qui a été dit précédemment par les autres intervenants, c'est que, en Afrique, d'une certaine manière, vous faites, entre guillemets, l'économie, par exemple, d'une ligne fixe de téléphone, puisque équiper tout le territoire est absolument impensable, ce qui fait que tous ceux qui voyagent en Afrique le savent bien, on est équipé à peu près partout aujourd'hui des téléphones mobiles. Ça fait partie d'une culture comme ça, du numérique, qui est acquise d'emblée par ces jeunes générations dont vous nous parlez. Oui, mais l'Afrique est passée d'un quasi-désert à un monde ultra-connecté. C'est ça. Même le paysan dans les campagnes a son petit portable. Exactement. Et la capacité. Et l'exemple que vous donniez des banques était très probant aussi. Nous n'avons pas, comme vous, la pratique des banques via le numérique. Oui, absolument. Bien, Dominique Roux, quelques commentaires sur tout cela, et puis on engage les discussions avec ce panel et avec la salle. Je n'ai pas de réflexion particulière, parce que les intervenants eux-mêmes ont apporté chacun des idées nouvelles particulièrement intéressantes, qui changent un peu de, j'allais dire, du ronron ou du train-train qu'on entend habituellement. Je pense que c'est plutôt la salle qui, devant ces informations, ces réflexions, a peut-être des questions à poser ou des interrogations à faire valoir pour devant ces experts qui, comme vous l'avez vu, des réseaux à l'industrie couvrent tout un ensemble d'activités humaines. Et surtout, je voudrais quand même insister sur des intervenants qui sont des industriels, parce qu'on parle toujours de la France qui est sous-industrialisée. Mais Valeo, tout le monde le sait, c'est 100 000 personnes, c'est quand même, c'est, comme dirait l'autre, c'est du lourd. Mais les smart grids de notre ami Enedis, si je puis dire, ils sont fabriqués en France. Donc, et ils seront exportés demain dans d'autres pays. Donc on a encore une capacité industrielle à fabriquer des produits qui seront utilisés dans les villes de demain, dans l'habitat, dans la sécurité, dans je ne sais quoi d'autre. Donc, il y a un petit vent d'optimisme. Et sur l'Afrique, Cheikh a raison. L'Afrique, demain, il y a quelques thèmes, la formation, tout le monde le sait, mais ça sera le pays du numérique. On ne va pas construire des réseaux de téléphonie en Afrique. Ce n'est pas possible. C'est physiquement, financièrement, pas possible. Donc, on passera par d'autres systèmes. On ne va pas demain refaire des réseaux de voies ferrées et faire des métros en Afrique. C'est un peu compliqué. On aura des voitures individuelles ou des voitures... Mais comment ces voitures individuelles pourront circuler, etc., etc. Donc, il y a tout un ensemble de thèmes. Je suis un peu brouillon et je les mets un peu dans le désordre qui nous interrogent beaucoup. Et comme quelqu'un d'entre nous l'a dit, on vivra demain dans ce qu'on construit aujourd'hui. Donc, c'est maintenant qu'il faut les faire. Alors, je donne plutôt la parole à la salle, qui a certainement des quantités de questions à poser à nos intervenants, à nos experts. Alors, je vois déjà plusieurs mains se lever. Comment ça fonctionne? On a un micro, c'est ça, à donner à nos invités dans la salle. Voilà. Oui, le premier bras qui se lève, monsieur. C'est pour vous, mais j'ai repéré deux, trois autres questions. Merci de vous présenter brièvement, juste pour savoir d'où vous nous parlez. Je m'appelle Thibaut Mestri, je suis étudiant à Boston. Et merci. Je suis ici pour un peu voir le monde de l'économie. Ma question se pose sur les smart grids. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on passe d'une infrastructure contemporaine qui n'est pas équipée pour le transmettre de l'énergie dans les deux sens, stockée de manière locale, etc. Comment est-ce qu'on passe de l'infrastructure qu'on a aujourd'hui à une smart grid
efficaces, compétentes, etc. Combien de temps ça va prendre? Combien ça va coûter? Et les technologies qu'on va devoir utiliser pour avoir ce développement vers les smart grids? Peut-être redéfinir ce qu'on appelle une smart grid. Est-ce que vous donnez tous la même définition, si vous le voulez bien? Qui veut répondre? Philippe Monlebou? Smart grid, effectivement, d'ailleurs, moi je préfère parler de réseau intelligent, puisque c'est peut-être ce que ça veut dire, smart grid. Hein. C'est aussi bien, voilà. Voilà. Au demeurant, d'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que disait Dominique, puis je vais répondre à votre question, je suis en même temps président de l'Association française des réseaux électriques intelligents. Alors, on lui a cependant donné un vocable anglais, pardon, qui s'appelle Think Smart Grids, parce que l'objet est effectivement de valoriser la technologie française à l'étranger. Donc, cette. Son... Oh, micro plus près. Plus près. C'est micro, c'est mieux comme ça? S'il vous plaît, je sais, voilà. Pardon, Philippe, je ne sais pas qui donne le micro, je voudrais qu'on le récupère aussitôt après, s'il vous plaît. Je vais l'approcher, ça sera plus facile, voilà. Voilà. Oui, pardon, donc pour la sonorité. Merci. Je disais donc l'association Oui française des smart grids a vocation à pouvoir diffuser à l'international, au sens business du terme, les technologies, les savoir-faire français qui, dans ce domaine, sont en tout point remarquables et constituent une filière d'excellence sur laquelle il y a un marché potentiel qui se situe en dizaines de milliards d'euros. Pour répondre à votre question, il y a effectivement une transformation qui est en cours et qui est majeure. Elle passe par ce qu'on appelle des capteurs, et en l'occurrence, ces capteurs sont ce qui est en train d'être développé. Certains d'entre vous ont entendu parler, en sont même peut-être d'ores et déjà dépositaires. Ce sont les compteurs intelligents, qui s'appellent donc des smart meters en anglais. Le fameux compteur en France, il s'appelle Linky. Il y en a 700 millions dans le monde. Il y en aura 1 milliard à la fin de l'année, et probablement 1 milliard et demi ou 2 milliards à l'horizon de 2020. Quel est l'intérêt de cet objet, au-delà de la mesure effective de la consommation? C'est de pouvoir donner à chaque individu déjà une information objective, actualisée, quasiment en temps réel, et donc de pouvoir directement comprendre et évaluer son comportement et son impact sur son efficacité énergétique. Alors, pour certains, ça sera d'abord et avant tout sur sa facture, ce qui est fort légitime, mais d'une manière plus large également, son impact sur son comportement et donc, in fine, sur l'efficacité énergétique, la sienne, celle de son quartier, celle de son pays. Le deuxième élément, c'est que ce compteur intelligent permet aussi une interactivité, effectivement, au sens tarif, au sens tarifaire, donc au sens signal économique qui peut être donné pour, là aussi, gérer de grands équilibres énergétiques, producteurs potentiels de valeur en termes de CO2 ou de diminution, évidemment, de l'impact de production de carbone. Dans le même ordre d'idée, la capacité à fédérer ces informations, une entreprise comme Enedis, il y a 5 ans, était exclusivement un opérateur de réseau. Aujourd'hui, nous sommes un opérateur de big data, donc de données massives, comme on dit, et avec la vocation à le développer de manière exponentielle. Et ces données, elles ont vocation à être mises à disposition de l'ensemble des acteurs, des parties prenantes de l'efficacité énergétique d'un pays. Ce sont des territoires, ce sont des collectivités, ce sont des régions qui, à travers cela, disposent d'une information objective qui peut déjà leur donner une grande valeur sur la compréhension de leur patrimoine immobilier, on peut revenir là-dessus, de l'impact de leurs différents comportements, du lien avec le transport, donc des choix également qu'ils peuvent être amenés à faire en termes de développement de mobilité douce, en termes de choix d'investissement, en termes de rénovation, etc. etc. Donc voilà, ces éléments-là permettent aujourd'hui, par des investissements importants, alors il faut savoir qu'un programme comme le programme de compteurs intelligents coûte à peu près 4,5 milliards d'euros, donc ce sont des investissements très lourds, mais c'est aujourd'hui, comme on disait, c'est aujourd'hui que se prépare le futur, comme on le disait, les installations de demain. Donc voilà, très rapidement circonscrit un peu ce que représente aujourd'hui un réseau électrique intelligent. Oui, ce que vous disiez. Alors aujourd'hui, il y a 5 millions de compteurs qui sont installés. Il y en aura 34 millions d'installés à fin 2020. Et ça rejoint complètement ce que vous nous disiez sur la société civile, hein, qui devient responsable de sa propre efficacité énergétique, qui se l'approprie. Marianne de Battisti, pour illustrer encore, répondre un peu plus complètement à la question. Puis Alain Taravella, s'il le souhaite. Justement, en complément, une des vertus du smart grid, c'est que ça permet à des immeubles qui sont dans un même smart grid d'être solidaire, c'est-à-dire celui qui consomme ou celui qui ne consomme pas, celui qui produit, celui qui ne produit pas, peuvent échanger de l'énergie. Et du coup, en termes de coût global pour le quartier, donc pour la collectivité, c'est vraiment source d'optimisation des consommations énergétiques. Mmh. Et ça existe déjà. Ça existe déjà à La Défense, ça existe déjà dans des quartiers qui sont pensés comme des smart grids. Et c'est des choses qui peuvent se réintroduire ex ante dans des quartiers existants, avec évidemment une armature collective, hein, et donc la collectivité locale ne peut pas être étrangère à ce genre de projet, mais qui est finalement très intéressante et très utile
aux propriétaires immobiliers que nous sommes, ou même aux particuliers qui décident de s'installer, puisque là, on est vraiment dans des échanges d'énergie entre des logements et des bureaux, entre des copropriétés et des investisseurs, etc., etc. Donc, cette solidarité de la ville, elle n'existait pas du tout avant, et on commence à la voir émerger. Oui. Et à terme, on a calculé, évidemment, les économies que l'on peut faire à ce sujet, en termes d'économie d'énergie. C'est surtout que l'on mesure aujourd'hui l'impossibilité au sens intérêt général, bien par sûr. Exemple, d'un développement. Notre ministre de l'Énergie, vous l'avez tous entendu, il y a quelques jours, annoncé qu'à l'horizon 2040, on ne vendrait plus de véhicules mus par le pétrole, c'est-à-dire donc on vendrait des véhicules électriques, on peut penser, majoritairement. À ce titre-là, l'impact au sens investissement, si on devait exclusivement gérer des réseaux comme on l'a eu fait jusqu'à maintenant, serait inaccessible au sens financier. Seul ce que l'on appelle du smart charging, c'est-à-dire une gestion intelligente donc, des réseaux électriques, combinée exactement sur la même manière que ce que vient d'évoquer ma voisine, permettra de pouvoir réaliser dans les délais convenus, hein, au sens donc time to market, et dans des coûts acceptables pour la collectivité, de tels investissements qui sont absolument nécessaires au regard des grands enjeux de transformation et de la société. Merci pour cette réponse. Monsieur, on vous a enlevé le micro de façon autoritaire, on va vous le rendre et le récupérer après vous. Merci beaucoup. André Hichet, je suis président du directoire du groupe Société Nationale Immobilière, filiale de la Caisse des dépôts, et qui va doucement vers les 500 000 logements. Et donc, la réflexion qui me paraît mériter d'être portée en complément de tout ce qui a été dit et qui couvre un champ déjà très large, c'est une réflexion qui est plus relative finalement à la gestion des patrimoines en lien avec une évolution fondamentale de la société et de l'économie qu'on pourrait qualifier en disant c'est la montée d'un modèle plus schumpeterien, même si évidemment la dimension traditionnelle plutôt keynésienne n'est pas totalement absente, mais on voit bien que les nouvelles technologies sont en fait, en réalité, un ressort redoutable de destruction et possiblement de recréation d'emplois. Et en lien avec ce constat, je pense qu'il y a une réflexion très importante à conduire et qui porte sur la conciliation de ce qu'est finalement une constante anthropologique, c'est-à-dire le besoin de sécurité, qui se traduit par le besoin de constituer un patrimoine de précaution et, d'une manière générale, l'immobilier est au cœur des patrimoines de précaution. Je rappelle qu'en France, il représente 64% du patrimoine des ménages. Et en même temps, en face de ce besoin de sécurité, eh bien, il y a un besoin de mobilité de toute nature qui, évidemment, accompagne cette évolution vers un modèle plus schumpeterien. Mobilité physique, mais également mobilité patrimoniale. Posez une question, s'il vous plaît. Terminez par une question, qu'on puisse en avoir d'autres derrière vous. Très bien. On vous écoute. Eh bien, la question, c'est que dans toute la présentation qui a été faite, et je le présenterai volontiers à l'organisateur, c'est que, justement, cette dimension me paraît encore insuffisamment prise en compte. Création de destruction d'emplois, c'est vrai que c'est un des thèmes majeur et très préoccupant, en tout cas dans notre société. Ça peut être retourné d'ailleurs également dans la situation de l'Afrique, parce que c'est Cheikh Kanté qui a envie de réagir le premier. Absolument, parce que quand il parle de Schumpeter, il s'inscrit dans une logique d'innovation, de création destructrice, mais aussi de bonne combinaison pour trouver les meilleurs modèles adaptés à un environnement spécifique. Je parle de l'environnement africain. Ou d'ici 2000. Vous avez parlé de 500 millions d'emplois. Oui, 500 millions dans les 20 prochaines années. À trouver. Mais concomitamment aussi, d'ici 2030, la classe moyenne va être multipliée par 4. Les jeunes qui vont naître d'ici là vont avoir un digital, comme l'a dit le professeur Roux, un ADN numérique. Il faut concevoir dès à présent de nouvelles villes, des espaces aussi sécurisés, parce que la sécurité aujourd'hui est un facteur clé de succès, que ce soit pour les ports, pour les villes, pour les entreprises et pour les États. Donc il nous faut trouver, suivant les environnements, parce que ce qui est valable à Paris ne l'est pas à Dakar, ne l'est pas à Shanghai, comme vous venez de le dire. Mais enfin, dans une logique de bien-être, il faut quand même trouver les meilleurs ressorts de la prospérité, de l'innovation, adaptés à chaque environnement.
réponse pour un cas plus français ou franco-européen. Je ne sais pas qui souhaite, peut-être le président Schoenbrock. Puis Philippe Monlobo qui avait l'air de vouloir répondre également. L'évolution schumpeterienne a toujours existé. On est dans une phase où dans énormément de métiers, il y a un flux d'innovation absolument considérable. Et je ne pense pas que le sujet principal soit de se dire est-ce qu'on aura la capacité de suivre ces innovations et la capacité de créer les emplois correspondants. La question qui doit se poser pour notre pays, c'est parmi toutes ces innovations qui vont se passer dans énormément de métiers, combien vont pouvoir se localiser en France de par notre écosystème intellectuel, et il est remarquable, et notre écosystème compétitif, qu'il est peut-être un peu moins. Merci pour vos réponses. Pardon, j'étais distraite sur le temps. Encore un petit élément de réponse, on reprend une autre question dans la salle. Je voulais juste abonder dans ce sens. Je dirais que, évidemment, tout le monde connaît la logique schumpeterienne, mais je pense qu'il faut la confronter à aujourd'hui ce qui vient d'être dit. L'innovation est extraordinairement active, et en France en particulier. Je peux vous l'assurer, l'open innovation, c'est-à-dire l'innovation aujourd'hui, de la même manière que l'évolution aujourd'hui, je parlais tout à l'heure du coût des transactions, ce coût des transactions qui s'est considérablement baissé avec les volumes d'informations qui transitent, donne un accès à l'innovation comme jamais, on l'a pu le mesurer dans l'histoire de l'humanité, avec une capacité à ce qu'on appelle aujourd'hui l'open innovation, c'est-à-dire à élargir l'innovation d'un métier comme le nôtre. Moi, je pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a salué 60 innovations intégrant des salariés de l'entreprise et des start-up, 60, qui relevaient de domaines aussi différents, a priori, du réseau électrique que la santé ou que les télécommunications. Donc je crois que c'est vrai qu'il y a cette logique schumpeterienne, tout le monde la connaît, mais pour autant, les ressorts sont complètement différents. Et à nous d'aller les chercher, à nous de les valoriser. Et encore une fois, je partage ce qui vient d'être dit, l'industrie française en a les moyens. Il y a là des ressorts tout à fait positifs pour créer de l'activité valorisable. Vous ressentez plutôt la vitalité qui est derrière tout ça. Alain Taravella, vous vouliez ajouter autre chose ? Ou on prend d'autres... Oui, je vous en prie. Oui. Non, moi, disons que nous sommes... Quand j'entends tout ça, je pense qu'en France, et quand j'entends mon voisin de gauche, on est quelque part dans nos petits problèmes. Et il faut effectivement penser notre économie, nos réflexions fondamentales à l'aune... du monde. Ce que vous dites sur l'Afrique est absolument impressionnant, et je pense qu'il y a notamment sur l'Afrique pas assez d'investisseurs comme nous capables d'aller là-bas et capables de s'inscrire dans ce développement qui est absolument prodigieux. Oui, d'autant qu'on les sent très demandeurs, comme nous l'a dit Cheikh Kanté. Encore une question dans la... Oui, pardon. Vous les invitez. Absolument. Vous les invitez tous, d'ailleurs. Encore une question dans la salle. Je vois une main se lever tout au fond. Monsieur, merci. Oui, Philippe Jean Perron, Banque Transatlantique, groupe Crédit Mutuel CIC. Effectivement, vous avez évoqué cette opportunité, cette évolution, révolution que le digital, entre autres, a permis à l'Afrique. C'est vrai pour l'Afrique, c'est vrai pour l'Inde, c'est vrai pour le Pakistan, c'est vrai pour la Chine, c'est dans une moindre mesure vrai pour l'Amérique latine. Et justement, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Quelle est la place de la réflexion occidentale dans cette véritable révolution ? L'âge des populations parle d'elle-même déjà au départ, hein, vous l'avez évoqué. Imaginez qu'un néocolonialisme pourrait à l'Occident permettre de livrer des solutions clés en main, qu'on puisse continuer à tisser à Manchester pour livrer en Inde, je pense que plus personne ne ferait l'erreur. Comment peut-on imaginer aujourd'hui une coopération entre le vieil Occident et ces continents qui se réveillent. Et peut-être qu'on peut renvoyer, si vous le permettez, la question à tout le monde, c'est-à-dire qu'attend l'Afrique de nous, l'Occident, et inversement, qu'attend l'Occident de l'Afrique, qui est très ouverte, comme vous nous l'avez dit. Ça s'appelait la coopération. Oui, aujourd'hui, c'est autre la chose. La coopération, elle est là. La colonisation, c'est un fait qu'on a dépassé maintenant. Je pense que la France elle-même a été colonisée. Hein, chaque peuple a son histoire. Présentement, nous sommes à l'ère de la mondialisation, d'une nouvelle civilisation basée sur une fertilisation croisée des expériences, des idées. Nous avons tous les mêmes droits, nous voguons aux mêmes libertés, nous voguons vers un bonheur universel.
Et pour cela, il faut changer de mentalité, cultiver le partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique, aujourd'hui, a besoin d'assimiler ces nouvelles technologies de l'information, de la communication. Il y a 2 ans, ici, j'ai un peu expliqué les ruptures technologiques qui ont modifié les conditions de travail et les modes de gouvernance de nos entreprises. C'est un peu valable partout. Donc l'Afrique a besoin de ce partenariat aujourd'hui, un partenariat gagnant-gagnant pour réaliser son rattrapage. Oui, Jacques Eisenbrock voulait répondre aussi, car l'Occident a besoin de l'Afrique, d'une certaine... Oui, je ne vais pas me placer sur le thème Europe-Afrique, mais sur le thème exportation du modèle occidental. Oui. Je pense qu'on est dans un monde qui a énormément changé. Il n'y a plus de modèle occidental dominant. On est dans un monde totalement ouvert. Si je prends comme exemple l'automobile, les innovations viennent de partout dans le monde. On est entouré par probablement 30 000 start-up qui viennent évidemment de la Silicon Valley, mais qui viennent aussi d'Israël, qui viennent d'Inde. Et il ne faut pas sous-estimer ce qui est en train de se passer en Chine. La Chine, en termes d'écosystème, en termes d'innovation, en termes de digital, est probablement très en avance aujourd'hui sur l'ensemble des écosystèmes qui existent. Donc il faut avoir l'humilité de considérer que l'ensemble des populations, l'ensemble des pays, aujourd'hui, sont en concurrence et peuvent avoir des domaines d'excellence. Et il faut, nous, aller chercher, là où ils se trouvent, le système qui correspond le plus à nos innovations et les collaborateurs qui correspondent le plus. Quand je regarde et quand je parle aux étudiants de l'école des mines, je suis aussi président de l'école des mines, je leur dis que la grande différence qu'il y a entre le temps où, il y a malheureusement quelques dizaines d'années où j'ai fait l'école des mines et maintenant, c'est que la concurrence à l'époque, c'était entre l'école des mines, l'école polytechnique et centrale. Aujourd'hui, la concurrence, elle est entre les meilleures universités ou les meilleures grandes écoles françaises, les meilleures universités et meilleures grandes écoles américaines, allemandes, anglaises, mais aussi avec les meilleures universités chinoises, les meilleures universités coréennes, les meilleures universités japonaises, les meilleures universités chinoises. Et que donc le monde s'est extraordinairement ouvert par rapport à ce qu'il était, et c'est une incroyable chance que nous avons, à condition que nous soyons capables de rester parmi les meilleurs. Mais ce n'est pas garanti, c'est à nous de bosser pour que ce soit le cas. Merci, merci beaucoup. On est obligé de conclure, je suis désolée. Et c'est Dominique Roux qui va avoir le mot de la fin en vous remerciant les uns et les autres. C'est pas un mot de la fin, c'est simplement pour préciser un petit peu ce qu'on entend par innovation et Schumpeter, parce qu'on les met tout le temps à toutes les sauces. C'est très bien de parler de Schumpeter. Entre parenthèses, je pense que peu de gens ont lu Schumpeter dans le texte. C'est assez. Mais une innovation, c'est des combinaisons nouvelles, ce ne sont pas des inventions. Relisez Schumpeter. Or, les combinaisons nouvelles, ça peut se faire n'importe où. N'importe quel endroit, on peut faire des combinaisons nouvelles. Oui, attendez, moi je suis tout le temps en Afrique, j'ai une université aussi. Non, mais laissez finir la parole, parce que là, c'est plus... Vous êtes en train de lui couper la parole. J'ai créé 2 universités en Afrique, donc je sais à peu près ce qui se passe, et j'en ai une qui fonctionne très bien à Abidjan, et à Dakar, nous faisons des choses passionnantes. Les combinaisons nouvelles, ce que je veux dire, ce n'est pas des inventions. Or, les gens qui inventent des combinaisons nouvelles dans tous les secteurs, ça peut être un ouvrier, un employé, quelqu'un d'astucieux, etc., et ça fait avancer énormément les choses. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour montrer à quelle vitesse les choses se développent. Sur le port de Dakar, qu'est-ce qui était le symbole d'un port, les dockers, c'était des gens costauds, souvent mal payés, qui transpiraient beaucoup, surtout en Afrique, et qui portaient des charges très lourdes pour aller charger des bateaux ou décharger les bateaux pour les mettre sur les camions. Aujourd'hui, le grutier, il a des containers à gérer, il y a des codes, et celui qui est en bas, il doit connaître l'informatique pour pouvoir exercer le métier de docker. Donc on est dans une révolution absolument complète, et donc il a même quelques petits problèmes sociaux quand il n'embauche pas des dockers à larges épaules et qu'il prend plutôt des gens qui connaissent l'informatique, parce que c'est comme ça qu'on évolue. Donc c'est une évolution extraordinaire qu'il faut suivre, qu'il faut précéder si possible, et tout ça, je vous le dis, mes chers amis, ça passe par la formation. Le reste, c'est des discours... former les gens, et je suis très très énervé quand j'entends dire l'Afrique, c'est l'avenir, parce qu'ils ont une population nombreuse et jeune. Mais si vous avez
il n'est de richesse que d'homme, comme disait l'autre. Mais si vous avez des millions et des dizaines de millions d'Africains non formés, ce n'est pas une richesse que vous avez, c'est une bombe qui explosera à la face du monde. Merci Dominique Roux. On en reste là. Merci infiniment à tous nos intervenants et à vous tous. Très bonne fin de journée.